Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Darkest Dungeon. Et on se retrouve avec ceux qui étaient mortes, Tony 2.0 ainsi que et Yennefer. Pourquoi Yennefer? Parce que comme vous me l'avez dit et à juste titre, si les morts reviennent à la vie, je ne m'attacherai jamais à eux, donc voilà. Mais c'est le jeu, ils sont morts, c'est vrai, ils sont morts et j'aurais pas dû le ressusciter. Alors j'ai fait une petite exception pour Tony Stark, puisque c'est un robot, allez voilà, enfin c'est un robot, non, c'est pas un robot, non. Il a une armure de robot et on va dire que c'est que l'armure qui a été détruite, mais ça sera la seule et unique exception et jamais je ne le referai, voilà. Donc Triss 2, évidemment je l'ai appelé Yennefer, comme ça c'est fait. Et aujourd'hui on va aller sans plus tarder se préparer pour le gros cochon, le gros porc là, le prince porcin, oui voilà. Avec non pas ce setup, hop, voilà, on va changer, on va mettre, alors on va prendre. Kev Adams, on va te mettre tout au fond, ouais. Giovanni qui n'est toujours pas revenu, hein, il est mort, il est vraiment mort. Yennefer, est-ce qu'on te prend? Non. Je vais prendre Jackson. Jackson va venir nous aider. Allez Jackson, tu vas te mettre ici, oui. Très bien ma petite Jackson. Ensuite, on a le heal, on a l'arbalète derrière. On va prendre Kiba, oui. Kiba, j'ai changé leur technique hein, pour que ce soit plus approprié. Et j'avais déjà fait le setup à la base hein, déjà. Et je leur ai augmenté les caractéristiques grâce à la guilde et la forge. Et ensuite on va prendre, donc c'était qui, je ne me rappelle plus. Kratas. C'est Kratas? Oui c'est Kratas, oui. Oui, parfaitement. Donc nous avons notre petit setup, elle est malade de quoi? Rage. Plus 15% de dégâts, moins 10 de précision. Bah, c'est dommage pour les moins 10 de précision, mais les 15% de dommages, j'aime bien. Donc, hop. Un aventurier brisé. Bon, ça, on l'a déjà lu, hein, évidemment. Et cette fois, on va pas se faire avoir. On va pas aller dans le monde obscur. Alors, on va prendre masse nourriture, par contre. J'ai plus d'argent. Je pense que 12 plus 8, ça suffit. Deux pelles, oui, ça devrait le faire, deux pelles. On va prendre deux clés squelettes, deux de ça, oui, deux eaux bénites. Et je sais pas si je devrais prendre des antivenins, est-ce que ça va servir? Les cochons, ça empoisonne pas, hein. Ouais. Allez, on est bon. Et une abomination sans nom, une preuve de mes échecs, il faut la détruire. Oui, cette fois, nous allons vraiment la détruire. Alors, fais voir moi, montre-moi ce setup. C'est le même setup de merde de la dernière fois, sauf qu'on commence en haut et ici, il n'y a pas de ligne pour aller d'un côté à l'autre. Donc, en soi, on va faire comme on avait prévu de faire et on remontera à la fin ici. Mais parce que du coup, je peux pas... Ouais. Donc on va passer par là, on va faire... Ah ouais, mais vous voyez pas ma souris, c'est vrai. Putain, jeu de merde. Du coup, on va aller, on va avancer par là, on va redescendre, ensuite on va aller à gauche, une fois tout en bas, on va aller à gauche, jusqu'au bout, puis on va remonter d'un, on va aller, voilà, vous avez compris, hein? Oui, vous avez compris. Halt! Pardon. Ah non, c'est bon, t'avais juste dit ça comme ça, toi, tu... Des parchemins, je préfère pas les prendre, j'ai beaucoup de chance d'attraper des conneries. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis tenté par en assommer un, hein, Captain Crochet, là, et... Allez, Captain... Ah non, allez, on va le tuer. Ah oui, on le tue direct, c'est bon, ça... C'est vrai que je les ai augmentés au maximum, donc déjà, ils vont faire un peu mal. Ah, mais elle a pas d'endroit où ça fait mal. T'es trompé. Ah, ils lui ont chopé les deux boobs. On va la soigner directement parce que... Ah, bien, saignement. Bah oui, ça commence bien, tiens, dis-moi. On le tue. Ils sont pas assez forts pour qu'on les... Non, soigne-toi.
Soigne-toi. On va utiliser les deux pour se soigner, là. C'est le moment. Ah. Meurs. Voilà, ils sont morts. Elle va perdre le saignement comme ça. Et on va pouvoir avancer et la re-soigner un peu plus tard. Alors, fais voir. Je ne peux pas voir ce qui se passe dans les salles. Donc, s'il y a un piège... J'ai pas pris de torche. J'ai pas pris de torche. Je suis un tocard. On n'y arrivera jamais. Jamais de la vie, on y arrivera. On tente ? Mais non, la vidéo de merde, putain ! Putain, l'échec ! Bon, allez, on avance un peu, on va gagner quand même un peu de fric et je relancerai après en votre compagnie. On a gagné une torche. Oh. J'utilise. Bon allez, c'est pas grave, on va avancer, on va voir. J'ouvre la clé, j'ouvre et il n'y a rien d'intéressant. Après tout, on peut gagner des torches, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, c'est l'entrée. Évidemment, ça, on ne prend pas. Les livres, ce n'est pas pour moi. De toute façon, les aventuriers ne savent pas lire. Voilà. Ouais, ils étaient trop occupés à s'entraîner à se battre, hein, et ils ont pas eu le temps d'apprendre à lire. Meurs. Oui, voilà. Des araignées, pas trop difficiles à tuer non plus. Voilà. Ah, j'aurais dû attendre. On va la soigner. 18, allez hop. Pas de saignement, parfait, parfait, parfait. Allez, toi t'es mort. Et on en tue un autre, au moins pour pas faire trop de dégâts. Qu'on se prenne pas trop de dégâts, pardon. Toi, tu es mort. Morsure. Un point de dégâts et est-ce que je suis empoisonné? Je ne suis pas empoisonné, donc l'araignée ne m'a strictement rien fait. Hein, toi, t'es mort. Allez, hop là, voilà, ça c'est fait. Et de la bouffe, génial. Ça c'est quoi? Hôtel osseux, un hôtel affichant d'outrageux crâne, il émane une étrange pouvoir. Si je mets une eau bénite dessus, l'objet n'a aucun effet. Si je mets une herbe médicinale, non, ça ne fera rien. Hein. On va le prendre. L'hôtel imprègne le héros d'un grand pouvoir. Pas mal. Pas mal du tout. Allez, on descend. Voilà. On descend, on descend. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant par ici? Ah, une torche! Une torche encore! Eh, si on trouve des torches tout le long du chemin, ça va le faire. Hein. Je vais... Écoute. Non, je vais très vite manquer de torches, je crois. À mon avis, c'est pas possible du tout. À moins qu'on trouve le cochon directement dans un truc comme ça. Une torche? What? On dirait que tout était calculé. Ah, un piège, fuck. Je ne l'avais pas vu et j'ai pas un bandage par hasard. Si, j'ai un bandage. Tiens, prends le bandage. Waouh! Oh, c'est le prince porcin. Il est là. Il est là, il est devant nous. Achève-le. On a encore de la lumière et tout ça. Eh, très franchement, on est bien. On va le marquer. Il prend 3, 3 ou 2. Non, 3, hein, il prend 3. Oui, on va le marquer, je pense. Hein. Marquer ou l'étourdir? Non, on va le marquer. Il va prendre plus de dégâts comme ça. Voilà. On va pouvoir lui faire mal. Donc nous, on se prépare à sort de vulnérabilité. Non. On va lui enlever des dégâts, parce que j'ai peur qu'il me fasse mal, hein. Voilà. Donc on lui a enlevé 35% de dégâts, c'est déjà pas mal du tout. On va le faire saigner, à moins que je puisse... Je peux attaquer le petit, mais bon, Wilbur, non. Gros porc, tu vas mourir.
Saigne. Allez hop, il saigne. 3 points de dégâts, ça fait mal au cul. Wow, 15 points de dégâts, très bien. Très bien. Très bien. Je vais le soigner. Comme ça, il aura plus 28% de heal. Et ça, il va pouvoir bien soigner Kev'Adams. Et ouais, c'est parce qu'il est marqué. Hein. C'est vrai qu'il est marqué. Il faudrait que j'enlève les marquages, en fait. Je n'y pense pas. Soigne-le. Zéro ? Pourquoi zéro ? T'es sérieux, là ? T'es sérieux, mon gars ? Est-ce qu'on peut l'étourdir 100% ? On peut tenter, hein. On a, je crois que... Non, non, on a rien du tout. On a rien du tout. Soigne-toi. 9. Plutôt pas mal. Voilà. Continue de le faire saigner. On va le faire saigner un maximum. Comme ça, ça lui fait 6 de dégâts tous les 3 tours. Ça, c'est pas mal. Toi, enlève le... C'est ça, hein. Retirer marquage, oui. Enlève le marquage. Sinon, il va prendre très cher et j'ai pas envie. Battage sauvage. Allez, l'esquive dans ta gueule. Kev'Adams, s'il a fait un entraînement spécial durant tout ce temps, tu ne peux rien faire. Marqué. Très bien. Fais un assaut. Fais le saigner encore plus. Voilà. Combien ? 8 de dégâts tous les 3 tours. Pas mal. Pas mal du tout. En attendant, on va faire ça. Sort de... C'est quoi ça ? Sort de vulnérabilité. Donc du coup, il a moins de 17% d'esquive. Ça, c'est pas mal. Fais le saigner encore plus. On va voir jusqu'à où on peut monter en saignement. 11 dégâts par tour. Allez, toi, tu prends cher. Tu prends cher. On enlève le marquage. Et oui, tout était calculé, les gars. J'ai cherché tout ça. J'ai regardé un peu. J'ai fait le meilleur setup possible, là, t'as vu ? 8 ? Oh, ça va. J'ai besoin d'aide. Mais c'est toi le guérisseur, tu déconnes ou quoi? Dis pas ça, après tu vas inquiéter tout le monde. Donc elle, elle est marquée, c'est pas très grave. Continue de le faire saigner. Wilburn, il fait que marquer, hein. On va éviter, je sais pas s'il peut en refaire pop. Mais tant qu'on a... Ah, par contre ça, ça fait mal. Voilà, tant qu'on a Jackson, on peut enlever les marquages, donc c'est pas plus mal. Soigne-toi. 6, pas beaucoup. Ah, les saignements, Franck. Meurs. Donc 7 points de vie, okay. Combien 10 de dégâts par tour et je crois que c'est le maximum. Je pense qu'on peut pas aller plus loin. Il y a personne de marqué. Non, personne n'est marqué. Donc, ça c'est quoi? Repousse de 1, ouais. On va l'attaquer ou pas? Allez, on l'attaque. 46 points de vie, c'est faisable. Allez, meurs. 13 points de vie. Eh, on va l'achever ou pas? Achève les deux. Fuck, il est marqué, Jackson il a déjà attaqué. C'est pas bon du tout. Saigne. 17 points de vie. Oh, j'aurais pu aussi mettre l'os, j'ai pas pensé. On y pensera au prochain tour s'il est pas mort. Et, ah non, 12 dégâts. Ouais, bah écoute, je sais pas, c'est peut-être illimité. Peut-être pas, on sait pas. On ne saura jamais. Zéro, magnifique, on est super content. Saignement en plus, hein, tout la totale, allez. Saigne. Et toi t'es mort, hein. Au prochain tour t'es mort, t'as combien? Combien tu vas prendre? 15 points de dégâts, t'es dead. Voilà, t'es complètement mort. Et bah on a plus qu'à attaquer Wilbur, hein. Ah, t'aimes pas Wilbur? Ah, il est pas mort? Pourquoi il a pas saigné? What the fuck? Laisse le petit tranquille. Ah oui, il faut pas attaquer le petit, d'accord. C'était une contre-attaque. Oh merde. Winman. Non, t'as tué mon papa, non. Wilbur, tu vas mourir. Oh putain, Kev'Adams agonise. Ah ouais, mais il m'a mis cher en même temps. Il m'a mis très très cher. Je me ferais bien une petite montée d'adrénaline, là, comme ça, voilà. Histoire de pouvoir soigner Kev'Adams au prochain tour. Ah, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, je... Oh, le coup fatal! Kev'Adams est mort! Kev'Adams est mort! Oh non! Kev'Adams, non! Oh putain de merde, j'aurais dû l'achever, j'aurais dû... Oh là là, et je l'achevais du... Oh là là, l'erreur que j'ai fait, l'erreur! La grosse erreur! Pas assez de place dans l'inventaire. Nous avons une torche, on va l'utiliser. 30% de capacité de saignement.
Je le prendrai bien pour le revendre plus tard. 20% de résistance au déplacement, ça c'est bien pour elle. Et oh là là, Kev Adams. Oh, je suis dégoûté. Mais on a battu le prince porcin. Hein. On l'a battu. Nous avons gagné. Oui. On va jeter ça et on va prendre ça. Voilà. Alors, est-ce que ça vaut le coup de continuer l'aventure? On a encore pas mal de bouffe, pas mal de tout en fait. Hein. À part la lumière, on a pas mal de tout. On va continuer l'aventure, parce que là, on va pas gagner assez d'argent, ça va pas être bon. Et puis, bon, écoutez, je sais que c'est le prince porcin l'objectif, mais tant qu'on a de la lumière, on est bon. Hein. Par contre, on va bouffer un petit peu. Voilà, on a assez de bouffe. On pourrait même faire le camp au prochain tour. Voilà, récupérer un peu de la vie. Au prochain tour, on fait le camp, comme ça... Comme ça, voilà. Alors, on va utiliser la pelle. Ah, utilisons la pelle. Non, on n'a pas de torche, non. Le groupe a faim, très bien. Et donc, on va pouvoir aller à la prochaine salle où nous allons faire notre petit campement. Parce qu'on n'est plus que 3. Hein. On fait maintenant le campement ou pas? Oh, on peut bien attendre un tour. Allez, on va attendre un tour. On est encore pas mal, plutôt pas mal. Ah, le piège qui nous met mal. Arbalète, oui. J'ai plus... Non, j'ai plus de pansement, je l'ai jeté. Je l'ai jeté, j'ai fait l'erreur de le jeter. Le contenu du sac nous appartient. On prend. Oui. On le fera quand il n'y aura plus de lumière. Quand il n'y aura plus de lumière, on fera le camp. Hein, logique. On fera le camp dans la pénombre la plus obscure. Et là, des couteaux. Il me faut le saignement. Enfin, les bandages, je n'ai pas. Voilà, des ennemis surpris alors qu'il fait noir. Très bien, bah oui, bien sûr. Évidemment. C'est totalement l'inverse qui aurait dû se passer. C'est nous qui aurions dû être surpris. Bon, on va essayer de les achever le plus rapidement possible. Sachant que mes persos sont assez cheatés, hein, quand même. Meurs. Voilà, il est mort. Et toi, tu vas... Alors, est-ce qu'on les tue? 15 points de vie, on les tuera pas. Hein. Donc, fais-le saigner. 10 points de vie plus 3 de saignement. Il mourra pas à ce tour, mais il mourra au prochain. Hein. On va pouvoir se concentrer sur le deuxième. Voilà, le deuxième qui va mourir aussi assez rapidement. Eh, fais gaffe ou je te fais d'autres cicatrices. Ton masque est bien dégueulasse, par ailleurs. Hop là, toi, tu perds... hop là, saignement. Oh non, il attaque direct! Eh, ta gueule? Voilà, alors... au prochain tour, je vais sûrement le tuer, donc... bon, soigne-toi, profites-en, voilà. 4 points de vie, pas mal. Toi, t'es mort. Bah oui, j'ai rien à faire, hein, j'ai rien à faire, t'es mort. Et toi, t'as... 2 de saignement, 7 points de vie, t'es mort. Allez, hop là, on te tue, on t'achève maintenant. Meurs. Et voilà, j'ai gagné un peu de trucs. Un peu de trucs intéressants. On va jeter ça, les biscuits, on s'en fout. Ah, j'en ai même pas eu besoin pour le prince porcin que j'ai écrasé, mais d'une puissance phénoménale. Et qu'est-ce que je vais jeter? Qu'est-ce que je vais jeter? La clé? Non, pas la clé. Ah, j'hésite. J'hésite beaucoup. Bon, allez, on va manger. Voilà, mange. Et on va le prendre. Tadam ! Ne soyons pas surpris, ne soyons pas surpris. Ah, fuck ! Et on va être surpris. Eh oui, on est surpris. Bon, il va falloir que je les tue. Ne mourrez pas, hein, les gars. Ne mourrez pas, ça reste très dangereux. Ouais, là actuellement c'est dangereux. Ce que j'ai fait est très dangereux. Parce que j'ai plus beaucoup de vie, j'ai plus de heal. Ils peuvent tous se heal eux-mêmes, mais bon. On va essayer d'achever le R porcin au fond. Saignement, saignement, saignement de 2 normalement, donc il est mort. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors toi par contre, hop, tu retournes en arrière, bien comme il faut. Et toi, bah ici, t'es bien placé.
Fais-moi saigner le tambour pour ça. 12 plus 3 normalement. Eh, on les one-shoot, on les one-shoot ou pas. Allez, toi, t'es assommé. Eh, plutôt puissant quand même comme setup. À 3, on arrive quand même à déglinguer pas mal de monde, hein. Dommage que Kev Adams soit mort, parce que je l'avais bien entraîné lui aussi, et je suis un peu dégoûté. Un peu beaucoup même. Eh, comme quoi, on finit tous par aimer... par changer de goût, hein. Aimer Kev Adams, j'aurais jamais cru. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Allez, saigne. Voilà, 8 plus 3, t'es mort. Non, t'es pas mort du tout. Fuck. On va lui faire ça, comme ça, il va prendre des dégâts. Et, les deux prennent un peu de dégâts. Parce que si j'aurais fait ça, il aurait pris des dégâts et l'autre, non, pas du tout. Donc, assomme-le. Profitons-en. Il est étourdi, 9 points de vie. Prochain tour, t'es mort, hein. Je te préviens tout de suite. Donc toi, tu vas heal, bah heal toi. Pourquoi pas, hein, on va aller... Voilà, et toi, tu peux pas prendre de dégâts, c'est pas grave, 9 points de vie, je te tue. Voilà, t'es mort. Et évidemment, j'ai plein de trucs et plein de trucs que je pourrais prendre, pour jeter... Aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas. Les objets, c'est intéressant parce que ça se vend relativement cher, donc... La pelle, ouais... Allez, si on tombe sur un impasse, on arrêtera là. Donc je prends la pelle, je vais prendre ça, 500 d'or. Ou non, les contrats, c'est assez important. Vous entendez le bruit de fond, là? Non, j'ai tué votre père, les gars, calmez-vous. Ouais, je vais prendre ça. Les portraits, à la limite, on s'en fout un peu. Ouais. Allez, ça, on s'en fout. Je vais prendre l'Onyx. Voilà. Non, pas de place. On va ouvrir ça. Avec la clé. J'ai déjà une place en plus, grâce à la clé. Voilà. Et donc, je pourrais prendre... donc, le portrait, je peux le prendre. Les blasons, je peux sûrement pas les prendre. Ouais, c'est ça. Mais 8 de blason, c'est quand même intéressant. Hein. Surtout que maintenant, on peut les échanger grâce à une touche qu'il y avait ici. Je ne sais plus. Évidemment, vous ne voyez pas la souris. Donc, quand je dis ici, vous ne savez pas de quoi je parle. Allez, on jette ça, on prend ça. Voilà. Et on utilise le camp. Ah oui, on va prendre 6 de nourriture. Festin, moins de 10 de stress. Il en manque un, regardez. Il est mort. Nous avons que les bagages. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire rejeter les dieux, seulement soi. Réduit le stress de 30 de tous les compagnons. Oh. Ah non, seulement soi, réduit le stress de 30. Tous les compagnons, accroît le stress de 7 si athée, si religieux, accroît le stress de 15. Ouais, bah oui, forcément. Savourer. Moins 5 de précision, moins 2 de vitesse, réduit le stress de 20. On s'en fout du stress en fait, puisque le stress, on n'a pas beaucoup. Hein. On va surtout se soigner. Voilà, supprime le saignement. Soin 15%, ok. Soin 35%. Ouh, pas mal ça. Pas mal du tout. On va se supprimer en même temps son saignement. Même les blessures les plus graves peuvent être soignées. Reprends le dessus dans ce combat. Tous les compagnons, plus 2 de vitesse, c'est plutôt pas mal. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? 50% de probabilité. Ouais, c'est pas mal ça. Moins 20% de probabilité de groupe surprise. Ça, on va sûrement le faire parce qu'on sera dans le noir total. Plus 20% de probabilité, les monstres surpris. Empêche les attaques nocturnes. Ah, ça, c'est pas mal du tout. Je dois me reposer. Le chien, ta truffe devra être en éveil cette nuit. Eh oui. Eh oui, tu dois te reposer. Akamaru, repose-toi. On va soigner en même temps. Bah, on va se soigner. Ah non, on peut pas se soigner soi-même. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Fuck. Je voulais changer de personnage. Non. On n'a plus que 3 et du coup, est-ce qu'on pouvait se soigner? Oui, on peut le soigner. Je veux soigner lui, voilà. Kiba. Soignons Kiba et c'est terminé. Nous n'avons plus rien à faire, c'est ça? On n'a plus rien à faire, donc c'est terminé. Le repos, c'est fini. Ça semble maléfique, mais il n'y a rien à craindre ici. Et oui, il n'y a rien à craindre, puisque on empêche les attaques de nuit. Le sommeil nous appelle. Nous aurons besoin de toutes nos forces. The Mad
L'allumette est frottée, une étoile étincelante est née. Du coup, nous avons toute la lumière pour nous. Plutôt pas mal. On va monter. Voilà, on va monter. Et on va peut-être pouvoir faire la... Le terrain en entier. Ou pas, hein, évidemment, on va reculer. Ils aiment pas reculer, je sais très bien, mais bon, on est obligé. Que faire si nous sommes pris en embuscade comme cela? Oui, oui, je sais, vous aimez pas reculer. Mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Le stress diminue beaucoup quand il recule. Oh là là, un piège qui est esquivé, pas mal. On l'a pas vu, mais on l'a esquivé. on peut prendre. Bah, ça sert à rien, mais on peut prendre. Je préfère garder une place plutôt qu'un seul portrait, quand même. Nous devons conserver notre courage malgré notre morosité ambiante. Oui, c'est vrai que la perte d'un personnage est très mauvais pour le moral. Et... Non. Non, non, pas du tout. Non, de toute façon, j'ai même pas de torche. Donc, on peut pas le faire. Et nous avons un petit combat ici, hein, prévu, puisque c'était repéré. Il me vomit dessus. Tu es dégueulasse, mon cher ami. Tu es dégueulasse. Non, toi aussi, t'es dégueulasse. Arrêtez, là. Lendemain de soirée, trop d'alcool, tu vomis. Allez, hop, j'ai résisté. Ah, j'ai oublié de changer. Bah oui, forcément, j'ai oublié de changer. Meurs. 9. Ouais, c'est pas beaucoup 9. Hein. Accroche où ça fait mal. Évidemment, sur une fille. Hein. Hop là, un boobs. Le deuxième boobs. Ah non, il a chopé les couilles de Akamaru. Et oui, pas de Kiba, hein, de Akamaru. 8, on peut les tuer. On peut les one-shoot normalement. Hein. Ouais, 13, voilà. On va s'en occuper vite fait, bien fait. Et il continue de me vomir dessus. Hein. Mais arrête, t'as bu combien d'alcool là? T'as pas le droit de conduire, mon gars. Meurs. 10 plus 2. Eh oui, 10 plus 2. Allez, hop, là, t'es mort. T'es deg ou pas? Accroche. Ah, le deuxième boobs. Non. Meurs. Voilà. Et toi, on t'achève aussi. Voilà, t'es mort. Relativement facile, ce jeu. Dit-il après avoir perdu le personnage. Portrait ou 250 d'or? 250 d'or, c'est pas beaucoup. Hein. On va laisser la cyprine. Oh, oui, la cyprine. On va remonter au niveau du départ, du point de départ. Évidemment, on sera sûrement pas surpris. On va manger un petit coup. Ah oui, ça dépense plus que 3 de nourriture, puisque forcément nous ne sommes plus que 3. Exactement. Les ténèbres approchent, entend le cœur des hommes. Allons par là. C'est très dangereux, hein, ce que je fais. Très très dangereux. Surtout que j'ai fini la quête, ça serait con quand même que je meure maintenant. Le sac contient du butin. On prend. Tiens, bois-le. Ça te donne quoi? Ouais, c'est bien, c'est bien. On arrive ici, et il y a des monstres avec une curiosité. Mais je ne suis pas surpris grâce à vieille canine. Toum, 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 toum. Essaye de le tuer d'un coup. 10 plus 2. Plus 2, il est mort. Parfait, parfait, parfait. Ah, je suis marqué, ça c'est pas bon du tout par contre. C'est pas bon, il risque de prendre cher, coupe-bout cher. Ouh, critique de 12. Oh, saignement en plus. Allez, hop là. Et en plus, il commence à être stressé. Aïe, 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 c'est vraiment pas bon. Infection, bah oui, bah oui. Bah oui, bien sûr. Alors, ce qu'on peut faire, c'est enlever le marquage. Non, on va pas l'enlever, on va essayer de les achever le plus vite possible. Oh, critique de 17, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, c'est très très bon ça. Toi, tu vas saigner. 15 critiques plus saignement de 3. Allez, hop là. Si tu m'attaques, au prochain tour, t'es mort. Par contre, toi, tu vas te saigner parce que tu vas prendre cher. Allez, soigne-toi. Vaut mieux, vaut mieux. Oh là là, plus 10, plus encore l'infection. Oh là, c'est très mauvais, très mauvais. Boule et chaîne. Au prochain tour, t'es mort, donc je vais t'éviter. On va tuer surtout lui. Voilà.
Et là, plus qu'à se soigner, hein. Voilà. Lui, je vais le laisser agoniser parce que de toute façon... Ah, il agonise même pas, très bien. Alors, toi, on va t'enlever le saignement. On va prendre ce qu'on peut. Voilà. Et ça, 500. 500, on va enlever le portrait. Hein. Le portrait ou la bouffe. Remarque. Remarque, on va sûrement s'arrêter là, donc on va enlever la bouffe. Voilà. Mange. Mange tout. T'as plus faim? Ah oui, il est plein. Non, mais je veux pas savoir si t'es plein. Mais bah, t'as qu'à te vider. Il y a Jackson et t'es en compagnie de deux filles. Vide-toi. T'as même un chien, si tu veux. Oh non, c'est dégueulasse. Bon, allez, on prend l'émeraude et on se barre d'ici. Terminé. Allez, on va tenter quand même ça. L'hôtel aussi. L'hôtel imprègne le héros d'un grand pouvoir. Très bien. Mais on s'en fout, on se casse. On se casse, c'est terminé. Et nous avons terminé la quête. Nous avons gagné alors que nous n'avions pas pris de torche. C'est pas beau, ça. 4500 plus 4500, évidemment. 9000, c'est magnifique avec un parchemin sacré. Moins 10% de stress, plus 33% de capacité de soins, moins 30% de probabilité à capacité d'étournement. Et moins 3 de vitesse, bon. Pas mal. Et on a gagné plein de legs, hein, quand même. Plein de legs. 10 de contrat, 20 de je sais pas quoi, 6 de figurines et 5 de portraits. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Vraiment, on a fait le bon truc. Et Kratas qui monte au niveau 3, on va pouvoir faire des quêtes vétérantes si, dès qu'on a 3 autres persos qui montent niveau 3. Donc, Rôdeur. Rôdeur qui remplace Icer d'horreur. Plus 10% de dégâts si torche à moins de 26%. Plutôt pas mal. Aventurier des ruines. Moins 20% de stress dans les ruines. Alors là, l'autre, il fait un truc qui n'a rien à voir avec les ruines. Et il devient aventurier des ruines. Très bien. Si tu veux, hein, si tu veux. Et A et L, luminophobie. Plus 20% de stress si torche à plus de 75%. Ça, c'est pas bon du tout. Il va falloir qu'on l'enlève. Parce que la majorité du temps que je passe avec... j'ai la lumière à plus de 75%. Là, c'était une exception. J'ai foiré, totalement foiré. Mais nous avons réussi. Eh, c'est pas beau, ça? Dirigeant, c'est qu'il y a quelqu'un de bien? Non, pas du tout. Je n'aime personne. Personne pour remplacer Kev Adams. Ni Giovanni, d'ailleurs. Ni Giovanni. On va vendre... j'avais dit que j'allais vendre des trucs. Et vous allez voir un peu à quel point ça se vend cher. Livre d'intuition. Moins 20% de probabilité, groupe surpris. On s'en fout. Voilà, 1125 d'or, hein, c'est vraiment pas mal. Plus 10 dégâts, capacité, ça on va le garder pour le bandit. Ça je vais le garder. Ça on s'en fout. Plus 20% de résistance au malus. Ouais, on s'en fout. 750. Plus 15% capacité de soins, ça par contre on garde. Critique vs horreur, occultiste. Pff, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Vous avez bien entendu, on s'en fout. Et voilà, c'est terminé, l'épisode d'aujourd'hui est terminé, un peu plus long, hein, puisqu'on a bien parcouru la zone, alors que c'était très dangereux, voilà, donc c'est ici, hein, regardez, hop là, si vous cliquez sur les petites flèches, vous pouvez échanger des figurines contre d'autres choses, au choix, si on augmente, hein, voilà, vous choisissez, hop, 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 avec un ratio plus ou moins élevé selon la valeur des objets, des legs. Et vous pouvez faire ça pour tout, hein, évidemment. Voilà. En tout cas, on a bien gagné, hein, sur ce boss. Et la prochaine fois, bah, il faudra attendre pour le prochain boss. Ouvre la voie vers le boss. Progression 0%. Nous aurons quand même ici le nécromancien. Ici, la sirène. Et ici, on ne sait pas puisque je n'ai pas encore débloqué le boss. Hein, 0%. Voilà. Mais on fera tout ça la prochaine fois. Merci à tous. Bisous. Bye bye.